De la pâte de curry aujourd'hui au programme, avec un pilon, le mortier, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Pour faire cette recette de curry rouge, il va nous falloir pas mal d'ingrédients. On les a listés, il va nous falloir des échalotes, des gousses d'ail, des feuilles de citronnier. En principe, vous les trouverez dans le commerce fraîche, mais vous pouvez aussi en avoir des séchés qu'il va falloir réhydrater dans de l'eau chaude. Des bâtons de citronnelle indispensables pour la cuisine asiatique. Vous aurez aussi besoin de galanga. Le galanga est cette fameuse racine parfumée, hein, ce rhizome de la famille proche du curcuma ou du gingembre. Vous aurez aussi besoin de graines de coriandre, de pâtes de crevettes, l'indispensable capi. Et puis, ça c'est à vous de voir. Il s'agit donc d'une pâte de curry rouge. Donc le piment rouge va prédominer, mais il faut bien aussi imaginer que plus vous mettez de piment, plus ça va être fort. Hein. Donc attention. Voilà, on va se retrouver juste après donc, pour préparer cette pâte. Nous en arrivons à la préparation des ingrédients. On va commencer donc par torréfier les graines de coriandre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours utile pour bien exhaler les arômes et les saveurs des épices. Donc on va laisser tranquillement chauffer au wok. Et on va s'intéresser davantage au reste des ingrédients. Le reste des ingrédients, on a mis donc dans de l'eau chaude des feuilles de citronnier séchées. On va laisser encore quelques instants. Vous avez cette fameuse pâte de crevette qui va nous servir. Donc ce qu'on appelle le capi ou bien le mamtom. Ensuite, on a bien évidemment épluché les échalotes, l'ail, le galanga. Alors le galanga, vous voyez à peu près hein, le morceau qu'il nous faut. On a donc enlevé les premières écorces pour ne garder que la partie les plus tendres de ces bâtons de citronnelle. Et puis donc, on va se préoccuper de ces piments. Hein. On a choisi donc deux piments plutôt forts et deux piments doux. Hein. Donc l'objectif, ça va être de débiter finement l'ensemble pour que cela puisse passer assez facilement à la moulinette, ou du moins ce qui nous concerne, au pilon et au mortier. On arrive à l'étape finale, si on peut dire, de notre préparation pour la pâte de curry rouge. Vous avez vu que dans le mortier, on a mis les graines de coriandre. Donc le but du jeu, c'est de mettre donc, le plus dur hein, au fur et à mesure pour les ingrédients. Donc on va commencer à concasser. On va y mettre à présent le galanga. Donc à chaque fois, les ingrédients ont été hachés plus ou moins finement. Et on va y ajouter la coriandre, la citronnelle, pardon. La coriandre, on l'a mis précédemment en graines. Alors, ça commence à bien sentir. On va mettre à présent les feuilles de citronnier. Vous voyez comment on a travaillé les feuilles de citronnier, c'était complètement sec. On a hydraté ça pendant une dizaine de minutes. Et puis, on a enlevé la nervure centrale qui est plutôt difficile à travailler. Voilà. Hop. On y met maintenant l'ail. Les échalotes hachées. Et ce qui va nous donner la couleur, bien évidemment, le piment. Voilà, au travail. Donc on se retrouve dans un instant, une fois qu'on aura bien pilonné le tout. Ça fait un bon quart d'heure que nous avons pilonné nos aliments. Vous voyez bien que la pâte se forme. Hein. Il va y avoir encore, bien évidemment, du travail, puisque on assiste à la formation d'une pâte, mais pas tout à fait. Hein. Les ingrédients sont encore assez grossiers. Donc, on va continuer à travailler et c'est au final, vers la fin, vu que ça embaume beaucoup et on n'aurait pas envie d'avoir des éclaboussures, qu'on travaillera avec notre pâte de crevettes. A tout de suite. Alors, jetez un coup d'œil à présent sur cette pâte de curry rouge qui est quasiment terminée. Vous voyez que les ingrédients ont bien été réduits en bouillie. Nous apporte quelques morceaux de feuilles de citronnier, ça c'est pas très grave. On va maintenant ajouter le dernier ingrédient, c'est-à-dire donc notre pâte de crevettes. Hop, on y met à peu près 2 cuillères à café. Ça va
solidifier l'ensemble, mais surtout la pâte de crevette a un pouvoir très salant et bien sûr très aromatique. Voilà, on va encore pider l'ensemble et on se retrouve pour la fin. Voilà, notre pâte de curry rouge est terminée. On a bien curé le mortier. Vous voyez qu'on a un ensemble homogène. Vous avez deux possibilités à présent. Vous pouvez l'utiliser avec du lait de coco et une viande. Ça va vous faire un délicieux curry parfaitement parfumé. Ou sinon, si vous en avez un petit peu trop, bien évidemment, ça se congèle très très bien. Ça y est, nous sommes arrivés au bout de notre fastidieuse préparation. Vous voyez donc la pâte de curry rouge. On va maintenant travailler le produit fini avec cette fois-ci du poisson. Alors pour éviter que le poisson ne s'effiloche trop dans le curry, on a choisi deux morceaux de poisson. Là en l'occurrence, il s'agit de cabillaud. Pour accompagner le curry et le cabillaud, on a choisi également quelques légumes comme du poivron, poivron rouge, ainsi que des pousses de bambou avec de l'oignon. Et puis bien évidemment pour aller avec le curry, il va nous falloir du lait de coco, du sucre, un trait de citron vert et de la sauce de poisson. Alors, dans notre wok, on a mis un peu plus d'une cuillère à soupe d'huile. On va faire revenir les oignons. Donc là, il y avait l'équivalent d'un oignon haché très grossièrement. On va faire revenir ça l'espace de 30 secondes. Et on va y ajouter maintenant, pour que le curry donne sa pleine saveur, on va y ajouter donc le curry et le faire revenir dans le wok. Donc là, ça dépend, hein, ça dépend de ce que vous voulez avoir en termes d'épices, mais on a mis une cuillère et demie. Voilà, on va faire revenir ça pendant quelques instants. Nouvelle étape dans la préparation de notre recette, le curry rouge au poisson, le lait de coco, on a mis l'équivalent d'une boîte, hein, ça vous donne à peu près 40 centilitres, et on va délayer le curry dans ce lait de coco. Donc là vous voyez que le curry s'est bien délayé dans le lait de coco. On va ajouter à présent le poivron, on a mis un demi-poivron rouge et on va y mettre maintenant les poissons. Le poisson du moins, hein. Il s'agit de darnes de cabillaud qu'on va bien recouvrir. Hop. On est parti pour à peu près 15-20 minutes hein, selon la grosseur de cuisson. Alors on a quand même couvert le wok de manière à faciliter la cuisson du poisson et on va passer maintenant aux dernières étapes de la recette. Là, par exemple, on va changer de face le poisson, de manière à ce que cela soit cuit parfaitement. On va aussi penser à l'assaisonnement. Même si ça devrait suffire, on va ajouter un petit peu de sucre. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. Et on va y mettre la même chose en sauce de poisson. On rectifiera éventuellement l'assaisonnement juste avant de servir. Voilà. Notre accompagnement, il s'agit de pousses de bambou. On a l'équivalent de 150-200 grammes. Donc découpé de manière à avoir une petite garniture avec le poivron. On va dire que ça y est, c'est bon, c'est terminé pour notre recette de curry rouge au poisson accompagné de poivrons et de pousses de bambou. Pour le final, on va quand même mettre des herbes aromatiques comme de la coriandre et puis également de la ciboule hachée ou de l'oignon vert. Hop. On va se garnir une petite assiette pour
On passe à la dégustation. Et voilà, on y est.